산 질질이 지났다. 하지만 크게 상관없다. 그냥 지금 죽을까? 괜찮으세요? Disponible sur Netflix depuis décembre 2020, Sweet Home nous raconte l'histoire d'un jeune adolescent qui, après avoir perdu toute sa famille dans un accident de voiture, emménage dans un grand immeuble appelé Green Home, un immeuble où il y a plusieurs habitants, hein, et qui vont devoir un jour faire face à un phénomène épouvantable, c'est-à-dire que les humains se transforment en monstres. Il devra s'unir avec les habitants de l'immeuble pour tenter de survivre et pour essayer de s'échapper dans ce monde devenu complètement chaotique. Alors on est dans une série sud-coréenne, hein, c'est-à-dire que c'est techniquement extrêmement soigné. Petit bémol quand même sur certains effets spéciaux qu'on sent vraiment quand même assez fake, notamment tout ce qui va être les gros monstres, ceux qui prennent vraiment du volume, ceux qui sont vraiment imposants, on sent que voilà. C'est une image de synthèse, pas toujours très très réussie, mais globalement ça passe, on va pas se mentir. Alors c'est une série en 10 épisodes que j'ai suivi avec pas mal de plaisir, on va pas se mentir. L'efficacité de la série réside dans ses effets visuels. Il y a pas mal d'actions, il y a pas mal de monstres qui sont plutôt assez originaux, c'est-à-dire qu'ils vont, ça va pas être comme des zombies, ils vont tous avoir un aspect un peu différent. Il y a un espèce de monstre avec des tentacules, un monstre géant. Voilà, en fait, les monstres, c'est les habitants de l'immeuble qui se transforment en fonction de leurs peurs et de leurs obsessions. Ça, j'ai trouvé ça plutôt original. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est un peu de temps. Quelqu'un a fait un peu de temps. Les gens qui ont fait un peu de temps. 현 시간으로 국가 비상사태를 선언합니다. 체온 저하, 호흡 환청, 환각 등의 증상을 보이는 자는 격리하시고. 저 감염자예요. Curieusement, les épisodes que j'ai préférés, bah, c'est ceux qui ne sont pas centrés sur les monstres, mais sur le passé de certains héros, comme le héros principal, ou un espèce de gangster un petit peu qui a fait des trucs un peu louches dans le passé, ou cette mère de famille, ou ses deux enfants, ou cet homme en fauteuil roulant. On va nous dépeindre une galerie de personnages plutôt attachante. Et je tiens à dire que le casting féminin est de pure qualité, n'est-ce pas? Malgré tout, j'ai quand même trouvé que, même si la série ne faisait que 10 épisodes, ça traînait un peu en longueur parfois, c'était un petit peu longuet et le souffle retombait peut-être parfois un peu trop entre deux attaques de mutants. J'ai passé plutôt un bon moment devant ce Sweet Home malgré quelques défauts comme un rythme un petit peu inégal sur certains épisodes, mais dans l'ensemble c'est plutôt rythmé, c'est très bien emballé, c'est-à-dire qu'il y a une très belle photographie, une très belle lumière, c'est très bien réalisé, certains personnages sont vraiment plutôt attachants et on va un petit peu nous questionner sur vivre la vie en collectivité, sur l'individualisme. Ça va soulever quelques petits problèmes de société entre deux gros épisodes d'attaque de monstres. Il y a aussi des vrais moments de bravoure qui sont vraiment plutôt efficaces. Bref, c'est une série que j'ai dans l'ensemble plutôt bien appréciée. Et si vous l'avez déjà vu, je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est adapté d'un webtoon. C'est plutôt marrant parce que j'en lis pas mal. Enfin, j'en lis pas mal en ce moment. Ouais, j'en lis un petit peu. J'ai téléchargé l'application là. Et j'ai lu notamment Killstagram, la première saison. Et là, je suis sur la deuxième saison.
Ça, c'était vraiment super. Je ne sais pas s'ils prévoient de l'adapter ou pas, mais s'ils le font, je pense que ça peut donner vraiment, hein, au moins pour la saison 1, hein, un thriller vraiment, vraiment très très efficace à la sud-coréenne, là, comme ils savent bien faire, parce que l'histoire est vraiment géniale. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette courte critique de la série Sweet Home. Elle est disponible sur Netflix pour ceux qui ne l'ont pas vue. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour si je vous l'ai fait découvrir par le biais de cette vidéo, ce qui m'étonnerait un peu parce qu'on en a quand même pas mal parlé ces derniers temps. On se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!